Vous étiez toujours en train de vous évader et vous apparaissiez comme ça dans nos vies. De partout, vous vous évadiez, y compris des quartiers de haute sécurité, comme en 1978 avec Jacques Mérine, qui est alors l'ennemi public numéro un. C'est une fierté, c'est un regret, c'est un souvenir. C'est quoi pour vous tout ça Alors, c'est simplement euh, la mise en évidence que s'évader, on ne peut pas le faire seul. Il faut un réseau, ouais. et il faut des hommes derrière. Oui, mais tout le monde ne s'évade pas. Vous, on a l'impression que vous êtes né pour vous évader. D'ailleurs, vous dites, est-ce que je suis seulement rentré un seul jour en prison Ça, vous ça, le dites, ça. C'est vrai. On n'a pas pu vous enfermer, en fait. En fait, voilà, c'est, je ne, enfin, je... d'une façon physique, ouais. je ne peux pas être enfermé. Ouais. Alors, bien évidemment, quand se rajoute euh, le fait qu'on vous condamne à tort, ouais. a, ça vous motive plus C'est ce que vous racontez au début de ce livre, cette, cette condamnation arbitraire, euh, assortie euh, d'ailleurs de ce que vous appelez la torture. Il faut dire que la justice et la police de vos débuts, François Bess, euh, n'existent plus. Ah. C'était une justice euh, faite euh, de bourgeois euh, qui jugeaient euh, oui. des voyous, euh, de flics qui torturaient parfois. Oui. Euh, la peine de mort oui. existait, elle a été supprimée depuis. Est-ce que vous faites aujourd'hui confiance à la justice de votre pays, François Bess Aujourd'hui, beaucoup plus dans la mesure où ils ont des, des moyens techniques de pouvoir démontrer la culpabilité. Oui. Euh, avant, la, la chose que la police, parce qu'elle n'avait pas de moyens, oui. euh, obtenait, c'était des aveux. Oui. Et les aveux, il fallait les obtenir absolument, quitte à les extorquer, quitte à. à C'est ce qui s'est produit torturer. de nombreuses fois. Oui. Voilà. Oui.